Good afternoon. I'm Mark Nelson. I'm one of the co-chairs of the conference and I work at Imperial College in London. And it's my delight to welcome you to the first oral abstract presentations of the conference, where we'll be looking at diagnostics and investigations. So the first speaker is Helle Michael Deselen from Ethiopia, who's going to present on assessment of non-invasive markers of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C in Ethiopia. Merci accorda de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon résumé sur cette plateforme de conférence virtuelle. Et je me réjouis de cet honneur qui m'est fait. Cette affiche porte sur l'évaluation des marqueurs non-invasifs de la fibrose hépatique chez les patients atteints du virus de l'hépatite C en Éthiopie. Je n'ai rien à divulguer. Voici le plan de ma présentation. Je vais commencer par le contexte et essayer de décrire les méthodes que nous avons utilisées, puis discuter les résultats que je vais présenter avant de passer aux discussions et la conclusion avant de finir par des recommandations basées sur l'étude. Donc pour le contexte, nous avons vu que près de 111 millions de personnes ont été infectées par le virus de l'hépatite C au niveau mondial. Il y a quelques mises à jour récentes, mais vous avez vu qu'environ 10 à 15 millions de ces personnes vivent en Afrique au sud du Sahara. En fait, de nombreux pays qui sont affectés par le fardeau mondial du virus de l'hépatite C vivent également dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et malgré ces chiffres, moins de 2% sont identifiés, diagnostiqués et traités. Nous avons donc vu que le traitement du virus de l'hépatite a une RVS de plus de 95% et avec un traitement efficace de 2 à 3 semaines. Mais les patients ne sont pas identifiés et traités. Et les patients qui sont sous DAA, même s'ils ont une RVS, sont susceptibles de progresser vers la décomposition en type de cancer et il y a un besoin de suivi de leur statut hépatique. Si la maladie commence de la même manière que lorsqu'ils ont une cirrhose ou une cirrhose précoce, il s'agit alors d'une maladie évolutive. Il faut donc assurer un suivi. Nous avons besoin de tests non-invasifs pour identifier les patients qui souffrent d'une cirrhose, même s'ils ont une RVS. C'est donc une maladie évolutive. Le cancer a été signalé principalement chez les patients qui ont aussi une RVS. L'utilisation des tests non-invasifs pour l'évaluation de la fibrose ou de la cirrhose du foie sera très importante compte tenu des ressources limitées pour régler ce problème. La biopsie du foie n'est pas réalisable. L'élastographie transitoire est une solution qui est coûteuse et pas toujours abordable et qui n'est pas disponible dans la plupart des régions d'Afrique ou d'Afrique subsaharienne et dans d'autres pays à revenus intermédiaires. L'autre chose importante est que si nous dépistons le virus de l'hépatite C, nous devons également donner la priorité aux patients qui ont besoin de traitement RD, comme ceux atteints de cirrhose, afin qu'ils puissent être traités rapidement et que les patients atteints de cirrhose qui ont été sous traitement ont également besoin d'un suivi, même après la fin du traitement. Ainsi, pour accorder la priorité aux patients, pour commencer le traitement et aussi assurer le suivi et la surveillance, nous avons besoin de tests non-invasifs qui ne sont pas comme une biopsie du foie ou une élastographie transitoire. Donc, si vous voulez des réponses pour valider marqueurs non-invasifs connus, comme se baser sur la biopsie du foie, comme l'APRI ou le FIP4, il est en fait possible de les utiliser. Nous étudions donc la mise en place dans un hôpital appelé Saint Paul Hospital Millennium Medical College, qui est l'un des hôpitaux tertiaires d'Éthiopie. Nous utilisons le fibrocan et comme gold standard, nous avons vu des méta-analyses précédentes qui utilisaient le fibroscan recommandé pour les patients atteints d'hépatite. Gold standard avec différents résultats pour diagnostiquer, pour dire qu'il n'y a pas de fibrose ni de cirrhose, avec 11,7 pour diagnostiquer la cirrhose et moins que l'échantillon recueilli de 9 et donc pas de fibrose. Ces résultats proviennent d'études menées dans les pays africains, asiatiques et européens. Et nous comparons principalement l'APRI et la FIB4 à gold standard. Ils comparent la maladie servant d'accès pour qu'elle corresponde à la spécificité des tests avec différentes valeurs prédites que nous utilisons par la suite.
Les critères utilisés sont principalement ceux pour la consultation des patients adultes. Cette clinique peut recevoir des patients adultes qui sont en mesure de donner leur consentement, qui ont confirmé le virus de l'hépatite C et qui sont prêts à s'inscrire et à participer. Nous excluons les patients comme ceux qui ont reçu un traitement antérieur avec le DAA, les patients qui sont diagnostiqués atteints de HCC ou les comorbidités avec une maladie en phase terminale qui ont été exclus. La majorité d'entre eux sont des femmes et l'âge moyen est de 50 ans. Nous avons constaté que le génotype principal dans votre pays est le génotype 4 et suivi du génotype 1. Et nous avons vu que la sensibilité de l'APRI est en dessous du seuil 0,5 qui correspond à 75 avec un AROC de 0,84. Et nous pouvons voir que la cirrhose est en dessous du seuil car il tourne autour de 75. Et la spécificité de 25 avec la courbe AROC de 0,90. Vous pouvez voir le FIB4 presque comparable mais qui a une faible sensibilité et une spécificité d'après l'étude. Pour voir, vous pouvez voir ce graphique montrant l'AROC pour A, comme vous le voyez pour la fibrose, une fibrose importante, et ensuite B, nous pouvons voir pour la cirrhose. L'AROC pour l'APRI est donc bien meilleur que le FIB4 dans le cadre de cette étude, particulièrement pour le diagnostic d'une fibrose importante. Cela montre donc que l'APRI a une bonne performance diagnostique, mais que le seuil qui avait été utilisé dans plusieurs pays, notre recommandation est alors que les deux présentent des informations, donc nous avons choisi que le seuil 1 qui a une meilleure sensibilité et spécificité. Ma conclusion est que les tests non-invasifs, en particulier l'APRI, sont très performants pour détecter la cirrhose à un seuil inférieur et peuvent être utilisés pour le diagnostic précoce et pour le suivi. Nous recommandons ainsi d'autres études collaboratives pour voir l'APRI et évaluer les différentes valeurs seuil, et je recommande ce seuil de 0,5 et 1 pour la fibrose grave et la cirrhose respectivement. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Voici mon adresse électronique. J'aimerais également vous inviter au prochain sommet africain sur l'hépatite que nous tiendrons en Éthiopie. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you. The next speaker is Zainab Ingabire from Rwanda, who's going to present on FibroScan findings in patients with chronic liver disease and the experience in Rwanda. Merci, Président. Merci au comité d'organisation pour cette opportunité qui m'est offerte. Je m'appelle Zainab Ingabire. Je suis résidente en quatrième année de médecine interne à l'Université du Rwanda. Mes collègues sont Eric Rutaganda, Vincent Douzabé-Djambo, Bienvenue Mouvillé et Dina Nyampinga. Ils m'ont aidé à préparer ce travail. Je me réjouis de la collaboration du professeur Dirk van Leeuwen, qui, en sa qualité de membre des ressources humaines pour la santé, a travaillé avec nous au nom de l'école de médecine de Dartmouth College du New Hampshire. Je n'ai aucune révélation à faire, pas plus que mes collègues. Le diagnostic en temps utile et particulièrement la détermination du stade de la maladie du foie sont importants. Des traitements spécifiques comme les antiviraux ou un traitement préventif tel que le dépistage des complications liées à la cirrhose sont nécessaires. L'élastographie transitoire remplace dans le monde entier la biopsie pour déterminer le stade de la fibrose hépatite. Elle est non-invasive et d'une bonne précision pour détecter les fibroses et cirrhoses significatives. Elle traduit l'électricité du foie en score numérique allant de 2,5 à 75 kPa, mais il n'existe pas de données sur son utilisation au Rwanda. Notre objectif était d'explorer l'utilisation de l'élastographie au Rwanda, d'évaluer la rigidité du foie chez les patients atteints de maladies chroniques du foie, lorsque la prise en charge était possible, comparer les résultats de l'élastographie avec l'APRI et le FIB4 dans les hépatites B et C chroniques. Les patients atteints de maladies chroniques du foie ont été recrutés à la clinique de médecine interne du CHUK de septembre 2019 à février 2020. 153 patients ont été sélectionnés pour le FibroScan, après avoir examiné les critères d'exclusion tels que l'incapacité à consentir,
les femmes enceintes, les limitations ou facteurs qui influent sur la rigidité. Le comité d'éthique de la recherche du Collège de médecine et des sciences de la santé a approuvé cette étude. L'examen FibroScan avec une sonde moyenne a été effectué selon les directives de l'EFSMD. 151 patients avaient des mesures valides et ont été inclus dans l'analyse finale. Les valeurs obtenues résultent des données validées. La prix et le FIB4 ont été calculés selon la formule recommandée par l'OMS. Les caractéristiques de nos patients sont indiquées dans ce tableau. Nous avons souligné que nos patients étaient d'âge moyen. Parmi eux, les hépatites B et C représentent 95% de toutes les maladies du foie. Les stades de la fibrose ont été classés comme indiqué dans la diapositive. Près de 20% des patients avaient une cirrhose avancée. Il leur a été conseillé de faire un dépistage des complications liées à la cirrhose. Les performances de l'APRI et du FIB4 ont été évaluées sur la base de l'élastographie transitoire. Chez les patients atteints de cirrhose, l'APRI a permis de détecter environ 28% des cas, passant ainsi à côté de 72% des cas des patients atteints de cirrhose. Et de nouveau, l'APRI a permis de détecter 24% des patients présentant une fibrose significative, passant aussi à côté de 112% des patients présentant une fibrose significative. Le FIB4 a correctement identifié 43% des patients atteints d'une fibrose significative. En conclusion, nous avons réussi à faire une bonne lecture de la situation de presque tous les patients, probablement en raison du biais de sélection des sujets de l'étude. L'élastographie transitoire fournit de meilleurs résultats et performances supérieures à ceux de l'APRI et du FIB4. Néanmoins, nous avions des limites. L'élastographie n'était pas applicable à tout le monde. Dans notre étude, certains patients avaient différentes causes de maladies du foie. Les évaluations de l'APRI et du FIB4 étaient basées sur des mesures effectuées par FibroScan en raison des limitations de la biopsie du foie dans notre étude. Merci. Thank you. The final speaker in this session comes from Burkina Faso. It's Nanaline Alice Gwinjan. I hope that's pronounced right, but I'm going to have even more problems with the title, which is in French, but I will do my best. The title is Evaluation de la détection de hepatitis B antigen pour l'identification des charges virales élevées du virus de l'hépatite B exposant au risque de transmission mère enfant malgré la vaccination à la naissance. And I hope at the end of this, I will have learned exactly what I have just introduced. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous présenter la synthèse de notre travail sur la performance du test antigène HBE en tant qu'alternative à l'ADN viral pour évaluer l'éligibilité au traitement chez les femmes enceintes dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B. Le Burkina Faso se situe dans une zone de forte prévalence de l'infection par le virus de l'hépatite B. En effet, une étude réalisée au niveau national, retrouver une prévalence en population générale de 9,1% et chez les femmes de 7,8%. Au Burkina Faso, la transmission est essentiellement materno-fœtale. Malgré cet état de fait, très peu d'actions sont entreprises au niveau national pour améliorer la prise en charge de ces femmes, surtout lorsqu'elles sont infectées par le virus de l'hépatite B. En effet, concernant au niveau mondial les deux principales stratégies connues que sont la sérovaccination des nouveau-nés dans les 24 premières heures de vie et le traitement des femmes
fortement réplicatives, des femmes infectées fortement réplicatives. L'utilisation, très peu d'actions sont menées et l'application de ces différentes techniques au niveau national est largement insuffisante. Parlant du traitement des mères fortement réplicatives, l'identification de cette réplication utilise l'ADN viral comme marqueur principal. Cependant, cette réalisation a été identifiée comme un frein à la prise en charge adéquate des femmes, car très coûteuse. En effet, cet ADN viral est souvent réalisé en pratique courante par PCR, qui est une technique à la fois coûteuse, nécessitant des laboratoires sophistiqués et un personnel hautement qualifié. Une alternative à cet examen serait donc l'utilisation de l'antigène HBE et la stratégie serait donc de traiter toutes les femmes antigène HBE positives. En effet, ce test est beaucoup plus facilement réalisable par des tests de dépistage rapide, mais aussi par des dosages immunologiques en laboratoire. Quelle est la particularité et quel est l'intérêt de cette question pour l'Afrique? Nous notons une faiblesse du nombre d'études sur la question en Afrique, mais aussi, depuis 2015, l'OMS avait souligné la nécessité d'études de qualité sur la question. Pourquoi contextualiser le débat sur cette thématique? L'ensemble, la grande majorité des données dont nous disposons proviennent soit de l'Asie, soit du continent européen. Pourtant, il existe des particularités dans l'histoire naturelle même de l'infection en Afrique, notamment une infection qui est beaucoup plus précoce en Afrique qu'en Europe, et l'existence d'un pourcentage non connu de mutations précoces qui est beaucoup plus fréquent en Afrique qu'en Asie. C'est ainsi que nous nous sommes proposés un objectif principal, d'évaluer la performance, c'est-à-dire la spécificité et la sensibilité des tests antigènes HBE pour diagnostiquer des niveaux élevés d'ADN viral, c'est-à-dire des femmes fortement réplicatives, au cours de la grossesse, dans un programme de prévention de la transmission mère-enfant, afin de pouvoir proposer ce test antigène HBE comme alternative à l'ADN, dans des stratégies de santé publique et chez des personnes vivant dans des pays à ressources limitées. Quelle a été notre stratégie? Nous avons utilisé une cohorte suivie dans un milieu hospitalier, dans une étude monocentrique. Il s'agissait d'une cohorte en soins courants. En soins courants, il s'agit de femmes qui étaient entièrement à leur charge pour pouvoir identifier les difficultés rencontrées lors du suivi de ces femmes dans la vie réelle. Nous avons ensuite identifié un sous-groupe de population qui avait pu réaliser à la fois l'antigène HBE et l'ADN viral au cours de leur grossesse, en dehors de tout traitement. Puis nous avons choisi deux seuils. Le seuil de 200 000 unités internationales et celui de 10 806 unités internationales pour l'ADN viral afin de détecter les femmes fortement réplicatives. Au total, 600 femmes enceintes infectées ont été régulièrement suivies à l'hôpital Galgado, dans le centre, et la réalisation de l'antigène HBE avait été possible pour 75% d'entre elles, la réalisation de l'ADN viral seul dans 50% des cas seulement, et la réalisation à la fois de l'ADN viral et de l'antigène HBE avait été possible dans 44% des cas. Quelques données sociodémographiques sur ces femmes. Il s'agissait de femmes relativement jeunes avec un âge moyen de 26 ans. Elles étaient essentiellement scolarisées. Elles vivaient en couple dans plus de 90% des cas et elles étaient multipares dans 34,5% des cas. Au seuil de 200 000 unités internationales, la sensibilité et la spécificité étaient respectivement de 63,6% et de 94,8%. Les meilleurs résultats étaient donnés par le seuil de 1 million, avec une sensibilité et une spécificité respectives de 64,5% et de 93,7%. La valeur prédictive négative au seuil de 1 million était de 93,7%, ce qui est très intéressant. Et nous pouvons retenir donc, en conclusion, que ces résultats positionne l'antigène HBE comme alternative potentielle à la réalisation de l'ADN viral
dans une stratégie de santé publique et dans les pays à ressources limitées, afin de détecter les femmes fortement réplicatives et donc de prévenir la transmission mère-enfant dans les programmes de PTME. Cependant, d'énormes challenges demeurent et défis, notamment la mise en place de toutes les stratégies existantes, mais aussi l'utilisation d'études de haute qualité pour confirmer les résultats ici présentés. Je vous remercie pour votre attention. So that's the end of the session. Thank you very much to all of the speakers who presented fantastically. We're now going to have a short break before we have our next oral abstract presentation session. Please go back to the timeline, and if you go into the next oral abstract presentation session, after this you will be able to meet with the presenters and then ask them all of the questions which I'm sure you have from the interesting sessions we're having.